Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Nous allons parler dans ce cours de l'écriture japonaise. Alors contrairement à notre écriture française, donc latine, qui comprend un seul alphabet et 26 lettres, au Japon, il existe 4 types d'écriture. Le hiragana, le katakana, le kanji et le romaji. Le hiragana est un syllabaire. C'est la première écriture étudiée par les enfants japonais à l'école primaire. Elle est constituée de symboles phonétiques, de formes arrondies, et est utilisée pour écrire notamment les particules grammaticales, les mots sans idéogramme et la notation phonétique des kanji. Prenons un exemple. Ohayo gozaimasu, qui signifie « bonjour ». Nous voyons ici plusieurs syllabes, plusieurs kana, comme on les appelle. Nous avons ici le O, le ha, le yo, u, go, za, i, ma, su. Ce qui donne Ohayo gozaimasu. On remarque bien les symboles très arrondis des hiragana. Le katakana est un syllabaire composé lui aussi de symboles phonétiques. Contrairement au hiragana, les caractères sont tracés de manière plus rectiligne. Ils s'utilisent pour écrire les mots d'origine étrangère, comme les prénoms, ou pour marquer l'attention sur une idée. Je ne comprendrais jamais rien au japonais. Si nous étions japonais, que nous parlions japonais, le jamais serait ici écrit en katakana. Exemple, on remarque bien les symboles très rectilignes. Furansu, qui signifie France, c'est bien un mot d'origine étrangère pour les japonais. Fu, ran, su. Les kanji sont des idéogrammes dérivant de l'écriture chinoise. Le ministère de l'Éducation du Japon en reconnaît officiellement 1945, bien qu'il en existe beaucoup plus. Ils peuvent représenter un objet, une action, ou être utilisés pour leur valeur phonétique. Il est alors possible de les combiner entre eux. Par exemple, nous avons ici deux kanji. Donc on remarque que par rapport à l'hiragana et au katakana, le nombre de traits est plus élevé. Et encore, ce sont des kanji relativement simples vu qu'ils sont appris en première primaire au Japon. Les kanji peuvent posséder plusieurs valeurs phonétiques. Nous voyons ici que le premier kanji peut être prononcé ka ou hana selon le contexte. S'il est prononcé hana, il s'agit de la fleur. Et le deuxième peut être prononcé ka ou bi. S'il est prononcé bi, il s'agit du feu. Donc on remarque bien que deux idéogrammes différents peuvent avoir une même prononciation, d'où la complexité du japonais. Nous pouvons combiner, donc si nous mettons ensemble hana et bi, nous obtenons hanabi, qui veut dire le feu d'artifice, ou encore la fleur de feu. Simple anecdote, tamaya. C'est une onomatopée japonaise créée durant les spectacles de feux d'artifice. Elle prend son origine dans l'usine pyrotechnique Tamaya, qui était le leader japonais au 19e siècle. Et enfin, la dernière écriture, le romaji, qui est tout simplement notre écriture latine, constituée des lettres de notre alphabet. Donc, Ohayo gozaimasu, voilà comment il peut être écrit en romaji. Et également, Huransu. Voilà, c'était une petite introduction sur l'écriture japonaise. Merci beaucoup de votre attention.